Bonsoir à tous, bonjour à toi, c'est Septico. J'avais envie de rendre hommage à quelqu'un que j'apprécie énormément, mais en particulier sur l'action, ce qu'elle a pu faire ce jour-là pour son chien Réglisse, Labrador. D'énormes personnes comme toi ont un animal blessant ou un animal fatigué ou un animal malade. Nous ne sommes personne pour juger qui que ce soit quand son heure arrive et que tu dois prendre cette terrible décision. Cette décision qui a une importance capitale pour leur délivrer de toute souffrance et de tout mal que nous-mêmes, humains, n'avons pas encore l'autorisation nous concernant pour abréger les souffrances. Mais l'animal n'a pas cette particularité de gérer sa partie émotionnelle, mais te fait un signe, a fait un signe à plusieurs fois à sa maîtresse. Alors, j'aimerais te dire que ce que tu as fait, tu fais partie des personnes courageuses qu'ils soient. Tu as pris cette terrible décision le lendemain de la fête des mères. Moi-même qui a pris la décision d'enterrer par mes propres mains tous mes animaux. C'est clair, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais pour eux, tu es un héros. Pour eux, tu es un guide. Pour eux, tu es une maîtresse ou un maître. Pour eux, tu es tout, car tu étais dans l'accompagnement de la douleur. Rien que pour ça, toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais que chaque personne laisse un commentaire pour encourager et t'encourager toi dans la souffrance. Que là-haut, qu'il t'envoie la force nécessaire, le jour où il sera le moment voulu, pour que tu accompagnes à ton tour ton animal, l'être vivant, la personne que tu accompagnes, peu importe. Personne ne mérite d'être dans la douleur, d'être encore dans l'acheminement, de laisser passer les choses, pour que encore gagner un jour, un mois, une année supplémentaire. C'est un acharnement sans fin. Alors, que là-haut et près des miens repose en paix. Et que je suis fier de toi pour toutes les choses que tu as faites. Toutes les choses que tu as dû endurer. Cette personne que je connais bien qui se sentira concernée dans cette vidéo. Si tu penses que c'est le moment, fais ce qu'il faut. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Il t'arrivera quelque chose de merveilleux derrière. Parce que tu as écouté ton animal. Tu as su t'écouter et tu as su être dans cette communication animale. Le sixième sens. L'amour de toutes choses que Dieu nous donne chaque jour dans notre quotidien. Mais que s'il rappelle cet être vivant, il t'attendra quelque part, près de son chemin. Près de son chemin. Il te remercie. Réglisse. Et sera toujours là près de toi. Quelque part. N'oubliez pas, aimez vos animaux, les amis. Et faites ce qu'il faut jusqu'à leur dernière volonté pour les apaiser et les délivrer.